Maison de Vorador. Ah, mais c'est lui, Vorador. Ah, c'est celui qu'on avait vu au début, qui tuait là, les ceux du pilier, je sais pas quoi. Le faste dont s'était entouré ce Vorador était impressionnant. Sa richesse confondrait les nobles arrogants de mon ancienne cour. Ok, c'est tout. Ok. T'as le mec qui vit dans un palace en plein milieu d'un marais, protégé par je sais pas quoi. Très très bien, quoi. T'as le mec qui a des bustes de lui et tout. Le melon du type, quoi. Y'a pas un petit bouton, hein. Faut pas tourner le buste et puis y'a une passage secret. Hein. Que cette opulence, vulgairement affichée, demeure intacte, était la preuve que la peur refoule la cupidité. Effectivement. Ah ouais, d'accord, direct. Bah écoute. Épée de feu. Et là, il repop plus du coup. Vu que épée de feu. Ah ouais, non. Mais. Antitoxique, épée de feu, hache, massue à pointe. Épée de feu, oui, mais. Vae Victus! Quand même. Ah. Ah, donc le jeu. Ah, quoique. Avec le loup, tu passes. Alors, clairement, avec le loup, tu passes. Bon, je vais faire parce qu'il me demande, mais. Leur charme était presque visible à travers la gaze de leurs vêtements. Pourtant, ces beautés n'apportaient que la mort. Car elles obéissaient aux ordres de Vorador et n'étaient que des bêtes, esclaves de ses caprices. Ah oui, il parle de la gonzesse, quoi. Toutes asservies à une volonté plus puissante. D'accord, Vorador les contrôle. Oui, ça me paraît logique. Ça me paraît logique. On peut passer derrière les rideaux? Bah attends, est-ce qu'on peut brûler les rideaux? Massue à pointe, épée de feu. Fais chier. Putain, je sentais que j'avais la bonne idée, quoi. Ou alors on fait un spectre. Sans déconner. Y'a bien moyen de faire quelque chose, là. Salut. Salut, salut, salut. Ah non, non, mais j'ai pas demandé ça, moi. Épée de feu, massue à pointe. Ah, putain. Putain, ça pour récupérer cette vie, quoi, c'est naze. Faut vraiment qu'il recharge des. Qu'il recharge des autres bruits parce que là c'est ridicule. Merde! Oh le con! Ah voilà. Vae Victus! Ok, il va dire quoi, c'est son garde-manger? Le garde-manger de Vorador. Parfait. Un festin de vampires. Tel un troupeau attendant le sacrifice, des hommes et des femmes pendaient des crochets rouillés fixés au mur du cachot. Super. Le sang et les viscères gelaient la saleté et les pierres. Une telle abondance me renversa presque, car le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Ça, c'est beau, ça. Ok, bon, bah, y a plein d'endroits où j'ai pas pu aller. Parce que... Hop. J'aurais peut-être l'occasion d'y aller par là. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ah, cette épée, elle tape! Ah, et une nouvelle armure aussi, accessoirement, j'ai pas vu. Mais elle est trop stylée, elle! Ah, par contre, le mec, il a que des gonzesses à son chevet, quoi. D'accord, là, il y a un bouton, un genre de TP. Mes ennemis sont passablement vicieux, et l'armure de Chaos leur fait chèrement payer leur soif de sang. Les coups me sont destinés, mais c'est leur corps qui porte les blessures. Ah ah! Ça, c'est plutôt pas mal. Si je prends un coup, l'ennemi prend pareil, des coups aussi. Massue à pointe, armure de Chaos. Elle est dégueulasse.
Allez, allez. Ouais, elle est stylée et dégueulasse en même temps. Je préfère l'armure d'os, hein, quand même. Mais bon. On va prendre ça pour le moment. Hop. Et ben voilà. GG easy. Putain, j'avais oublié qu'on avait l'armure de KO, quoi. Oula! Oula, 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 oula. Allô, le jeu? J'ai surtout pas la bonne arme. Épée de feu. La bonne arme aussi. Oh, ça fait le café, l'épée de feu, quoi. Pff. Ah, le mec, il fait popper des ennemis comme ça, quoi. D'accord, le mec, c'est un ouf. C'est un ouf dans sa tête, quoi. Vache. Ça, je vais le garder, du coup. Hey, Victor! Oh. C'est vraiment les pires ennemis du jeu, hein. Oh la vache. Ah, quel merdier, quoi. Putain, ça s'est super bien passé, quoi. Je suis assez content. Ah, la one shot. Cette épée, quoi. Comment faire pour passer? Des fois, je réfléchis, mais... Non, on s'en fout. Clairement, quelqu'un qui se décide à pas prendre le pouvoir de fantôme, waouh. Il peut en payer le prix, quoi. Je vais pas prendre la magie de suite. Est-ce que je peux... Ah, oh, je peux gifler le fantôme. Ah, oh, combat de gifle. Ok. Ça, typiquement, ça sert à rien. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris à quoi ça servait. Ça va. Ok. Ok. Je suis obligé de sauter en face de toute façon. Hop. Ah, c'est chiant. La baise au cul. Va récupérer la carte, mais tu prends la max. J'y vais quand même. Hey. Baigné dans le sang des autres. Ce sort est particulièrement utile lorsqu'on fait face à plusieurs combattants. Attention à ceux dont le sang n'est pas pur. Ah oui, bah ça, t'es dans une salle, tu utilises ça, tu récupères le sang de tout le monde, et tout le monde meurt. Voilà, voilà. Juste ça, quoi. Goutte de sang, douche de sang. Mais il y a trop de pouvoir maintenant. Celui de droite, c'était... C'était cool, mais en fait celui-là est encore mieux, sauf que celui-là c'est juste unitaire, celui que j'ai déjà, et là c'est en zone. Douche de sang. Du coup, je vais l'utiliser parce que à mon avis on demande de l'utiliser. Ah oui. Et genre c'est toute la zone quoi. Même les morts et tout, là, sur la droite quoi, fallait se attacher quoi. Ah oh, c'est chaud quand même. Et sur le mur, on pouvait lire... En lettres de sang, Manus Celer Die, la main vive de Dieu. D'accord, très bien.
La salle dans laquelle j'avais pénétré ne servait qu'à la torture et à l'exécution d'êtres humains qui procuraient à leurs architectes un plaisir sadique. D'accord. Le sang avait tout éclaboussé. Il recouvrait les pieux qui faisaient saillie des murs et le sol de pierre. Il n'y a pas de pieux sur les murs. Les cris d'horreur et d'agonie des anciennes victimes résonnaient encore. Une symphonie de terreur et de souffrance remplissait l'air. Puis soudain, au milieu de la cacophonie des hurlements des âmes, retentit le rire dément du vampire lui-même. Ah, donc Vorator, c'est bien un vampire. D'accord, donc faut être... D'accord, c'est ça le moyen d'accès, quoi. C'est violent, quand même. Mais moi, j'ai envie de passer dans des trucs comme ça. Pourquoi je peux pas? Ça m'énerve. Wouah, toi t'es chelou toi. Wow. Je sais pas ce qu'il fait mais j'ai pas envie, trop envie de le savoir non plus quoi. Voilà, je passe pas. Bah non bien sûr, je suis un vampire nul donc... D'accord, là aussi il y en a un du coup. Je sais pas qu'il y ait des trucs cachés comme ça. Parmi les possessions de Vorador, je trouvais une ancienne chronique. Il y a longtemps, les vampires étaient si nombreux qu'ils attirèrent l'attention du cercle. L'ordre des Sarafanes, ou les anges de la lumière tels qu'ils étaient connus, fut créé pour faire face à cette menace. C'est ainsi que commença la purge des vampires. D'accord. 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 Bonjour. Bon. On peut aller là. Oh, ce n'est pas une bonne idée d'aller là-bas. La tapisserie racontait une histoire de chaos enflammé, une orgie de feu et de souffrance. Les morts vivants, leur peau pourrie calcinée par le sulfure et les cendres, m'invitaient à travers une abysse embrasée. Leurs regards égarés témoignaient du prix de la faiblesse. Leur destinée ne serait pas la mienne, mais le sang appelle le sang. D'accord. Bon, voilà, on aura deviné. Là, non. Je vais quand même aller de l'autre côté, on sait peut-être, il y a peut-être un truc à récupérer. Bon, apparemment, les vampires, ils étaient là, ils ont un peu foutu la merde. Et l'ordre de Séraphin qui s'est créé, ils ont dit, on va poter le cul des vampires. Vorador, il a fait, ouais, non, mais non. Ça fait chier parce que je suis un vampire, donc... T'as ce perso, il est encore... Ah... Non mais il y a des trucs comme ça, c'est cool, hein, mais faudrait savoir ce que ça active vraiment. Il doit y avoir un truc caché à la fin, mais quoi. Un truc caché, mais quoi. Parce que je vais pas me taper tous les murs, hein, c'est chiant. Ah ouais, il est relogé. Donc là, clairement, on est ouvert là. Ah, lui, il est relogé. Non, mais on comprend rien à ton pouvoir, là. C'est tout le plus lent du monde. C'est sûr, j'ai ouvert des trucs dans les salles précédentes. Attends, là il y avait rien. Ah oui, d'accord, c'est là où j'avais pris le contrôle de la femme. Petite sauvegarde ici.
Bon, à droite c'est fermé. À gauche, la porte est pétée. On va à gauche. Oula! Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. J'ai compris. J'ai compris c'est quoi ces putains de TP. C'est des cinématiques. Mais elles ont pas l'air de vouloir se lancer en fait. Ah putain! Ah non, mais ça fait chier! Est-ce que j'aurais bien aimé vouloir les cinématiques? La visite que je rendis à Vorador ne fit que renforcer ma détermination. Son pouvoir non contesté par les mortels, il avait péri face à autre ennemi. Nombre de grands guerriers sont tombés victimes de la décadence. Et du coup, on récupère l'anneau de Vorador. Mais c'est un peu la merde. Parce que moi, concrètement, je voulais voir la cinématique. Sauf que si je fais un retour au bureau, mon PC va pas kiffer. Donc bah écoutez, si vous êtes chez vous, cherchez la cinématique. Attends, ça s'est éclairé en bas là. Même l'oracle en fait, putain, mais c'est ça quoi. Du coup, il faut regarder la vidéo de l'oracle et la vidéo de Vorador. Oh! Ça pue un peu la merde ici. Ok, ça c'est bon. Ah, je suis obligé d'y aller en... Je suis obligé d'y aller comme ça de toute façon. J'ai pas trop le choix. Tant pis. Là, je prends la max. Allez, putain. Bonsoir, je vais jouer à PUBG. Eh ben écoute, Achara, bonjour et coucou. Ah putain, je suis dégoûté pour les cinématiques parce que bon, même si elles sont dégueulasses, ça aurait été stylé. Mais du coup, bah, c'est bizarre, on les avait au début, il n'y en a plus quoi. Faut vraiment que je me retape les rideaux et que je passe à travers, clairement. Douche de épée de feu. Armure massue à pointe. Ah non, mais je pensais que la massue tuait pas. Je suis déçu. Allez, viens là, toi. Ok, bon, on va prendre ça de toute façon. Ah, je suis dégoûté, putain. Épée de feu. Hop. Salut. Ah, on arrive dans la crypte apparemment. Ça ressemble au décor du début. Ah d'accord, ok, on est là. Mais ouais, ça m'emmerde quelque peu quoi. Hop, brûle. Bon, apparemment, là, y a rien derrière les rideaux, mais... Dans le doute. Oh, on est clairement dans la crypte. Mais du coup, là... Comment qu'on y aille, comment on y accède? Ah, fais chier. Y'a rien dans les tombes, y'a rien activé de toute façon. Là non. Ouais, je sais pas ce qu'on veut dire, faut refaire le donjon. Quoi. D'accord, enfin ouais, si on est TP là, c'est compliqué. Je quittais donc ce lieu
conscient du genre de monstre que je deviendrais si je laissais ma malédiction prendre le dessus, et avec un allié pour affronter l'avenir. Ah oui, parce qu'on le voit pas, mais Vorador, c'est un pote, c'est un copain. Mais on le voit pas, parce que la cinématique ne se lance pas, parce qu'elle est skippée, je sais pas pourquoi. Fait chier. Une triade se rassemble sur le toit du monde. Ken, un complot destiné à conquérir la Terre, à changer la face du monde. C'est au nord qu'attend la vengeance. Du coup, il faut aller sur le toit du monde. Il y a un complot qui s'organise entre les vampires pour essayer de tuer les séraphins et de contrôler le monde. Et comme on est un vampire, bah, on est convié. Donc, bah, ouais, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, très bien, ça. Très, très bien. Au moins, on pourra revenir ici. Et du coup... Je vais quand même retourner chez Vorador. Non, c'est là, hop. Vite fait, je vais récupérer ça. Épée de feu. Je vais sauvegarder, puis je vais essayer de refaire les rideaux là. Parce que c'est relou. J'ai envie de du pouvoir, moi. Ah non, mais on s'en fout, ça. Il en reste un. Il n'y en a plus. Ah, il n'y a pas de rideau. Ah, je comprends que dalle. Tout à l'heure, c'était fermé, là. Ah, et... Oh, un loup. Ah, bah, il s'est pris des dégâts et il est mort. Ça, c'est l'armure de chaos, ça. Ok, très très bien. Ça, ça doit être le passage au niveau de la crypte où je me suis dit comment on a le pouvoir. C'est comme ça. Putain, ça passe quoi. Cette obscurité était réconfortante. Et de loin, douce et forte, arriva l'odeur du sang versé. Du coup, il y a eu un bruit de mécanisme. Donc est-ce que ça a débloqué quelque chose ici? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a bien fait de revenir. On a très bien fait de revenir. Ah non mais c'est chiant ça, s'il vous plaît. Tout d'un moment... On va se taper tout le donjon quand même, on va se faire chier. Ah, très bien ça. Très très bien. Parce que là-bas, on n'a pas été, là. Comment faire? Parce que lui, il sert à rien. Concrètement, lui, il ne sert à rien. Je lance des couteaux nuls. Est-ce que ça a ouvert le passage? Ça a ouvert le passage. Ok. T'as les trucs cachés quoi, sans déconner. Vite. Mais du coup... Ouais. Très très bien. Ça fait le café, hein. On se fait la blinde d'item. Putain, Vorador, le pote qui nous aide et tout, là. Nous file son anneau pour je ne sais quelle raison, mais...
parce qu'on n'a pas vu la cinématique, mais il nous file tous les items. Ça fait plaisir. Hein. Hop, on va rester comme ça pour aller passer le chemin. Bah, du coup, est-ce qu'il y avait un autre... Je crois qu'il y avait un autre endroit où il y avait un rideau comme ça, chelou. Enfin, un passage plutôt. Ça, heureusement que les ennemis sont ralentis. C'était là, hein. C'était là. Du coup, faut trouver le mécanisme. Du coup, est-ce que ce serait pas juste tuer eux? Il est venu me faire chier jusque là. Tu as crevé? Ça sent le mécanisme là. Yeah. Hop. Ok. C'est un peu les couilles en or. Ah là, clairement, ça fait plaisir. Et du coup... On va y aller comme ça. Salut. Hop. Donc là, on avait l'armure. Là, on était passé. En haut, on n'avait pas pu passer. Putain, elle est beaucoup trop rapide pour me faire chier. Et là, il y a le truc. Putain, c'est ça. Impeccable. Ah. Petit bruit de mécanisme. Oh, parfait. Ça, c'est bon, ça. Y'a rien d'autre. C'est éclairé, on dirait. Putain, j'ai 99 rouages. Tant pis. Tant pis. Ça pique. Alors, je vois pas pourquoi à quoi sert cet endroit alors que tu peux passer par en bas. Peut-être si tu veux pas tuer la gonzesse. Je ne sais pas. Ouais, ça doit être sûrement ça. Du coup, hop. Faire ça. Et du coup. Cassez-vous. Je suis pas motivé. Bisous. Ah là, il n'y avait pas d'autre endroit où aller. J'avais été par en bas tout à l'heure. Je sais plus. Oui, j'avais été. Du coup, j'avais été par en haut tout à l'heure. Je dirais que non, mais je vais pas rester là pour longtemps. Et j'oublie que j'ai plus de. J'ai tous mes rouages à fond. Je peux même pas monter, pas plus montrer mes objets. Hop, 99. Hop, on va essayer de faire vite. Vite. Oh, mais non, mais c'est un esprit, bordel! Oh là, au secours. Hop. Ah, ça rend que de la magie, fais chier. Ah, là, il y a un truc, là. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Là. Hein? C'est pas le bon? Ah, merde. Thank you.
C'était très con ce que je viens de faire. C'était très très con.